Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite du Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Alors on se retrouve au lieu du fail, là, au niveau du puits. Alors j'ai refait toutes les petites étapes pour arriver jusqu'à ce stade. Alors là je sais pas trop si je dois me mettre à midi pour réaffronter l'esprit de midi ou pas. En tout cas il m'est proposé de retourner au niveau du puits. Bah, c'est ce que je vais faire, je vais m'approcher près de la corde là-bas. Si j'y arrive, parce que on dirait vraiment que je souffre d'une grave maladie neurologique là. Est-ce que je peux? Non. Si je saute un petit peu. Non. Ah bah voilà. C'est ce qu'il fallait faire finalement. J'étais prêt à couper la vidéo, à recommencer. Bon. Faut que je plonge. Comment je fais pour plonger? J'ai rapidement plongé X. Ok, il y a la petite barre de souffle classique. Allez, voilà. En utilisant l'essence de sorceleur. Trouver, prendre, bracelet, décoré. Oui, je crois que ça c'est bon. Comment je refaire surface B? Voilà. Par refail. Bon, il monte ou quoi? Ok. Alors, je vais réutiliser l'essence de sorceleur. Ah, bah, il y a encore des choses en bas. Ce serait con, on va voir ce qui se passe là. Ouais, là il y a un coffre. D'accord, ok. Je vais aussi farmer pas mal pour essayer de vous montrer un peu d'artisanat. Là j'ai pas beaucoup d'ingrédients pour l'instant. Alors, plonger, sortir, CB, voilà. Ah, ça a vibré. Moi, je ne demande pas les mains vides. Un bracelet. Il y a une inscription. Pour Claire. Le bracelet devait appartenir à la femme dans le puits. C'est du bel ouvrage, mais je vais devoir le brûler avec le corps afin de bannir le spectre pour de bon. Mieux vaut m'en occuper près du puits. Ok, de toute manière, je devais le réinvoquer, on verra ce qui se passe. Par là, je peux remonter? Non. Ah, mais il y a encore un cercle, là, jaune. Trouver l'esprit qui hante le puits. Je pense que je vais devoir le retrouver. Je vérifie juste que j'ai pris le bon pouvoir, voilà. Normalement, bah bon, je parlais d'artisanat, je voulais pas spécialement vous le montrer maintenant, mais... Donc, il faudrait que je puisse faire une huile contre les spectres. Mais alors, vous voyez, là, j'ai pas du tout ce qu'il me faut. Et puis, il y avait encore une bombe. Ça ressemble à quoi, les bombes? Attendez, je vérifie juste celle qui est qu'il faut. Spectre de midi. Merde. Poussière de lune. Et ça, est-ce que je peux faire bombe. Non. Ça, c'est quoi? Samoum. Aveugle des adversaires. Ouais, non, c'est pas ce qu'il me faut. Non, ruche. Je crois pas qu'il y a d'autres, non, ça c'est des potions, les bombes, j'ai que deux, parce que visiblement il faut aussi qu'on ait, qu'on les ait appris. Est-ce que c'est en fonction du niveau ou pas, de ce qu'on trouve? Je sais pas encore, pour être franc. Bon, alors on va trouver cet esprit. Faut aller dans l'eau. Voilà, je m'avance un peu, je vois rien, il y a une cible là-bas. Est-ce que je peux dégainer là? Non, je peux pas dégainer mes armes. C'est tout béton ici? Bon. Parce que là, je peux pas remonter. Hein. C'est trouver l'esprit qui rentre le puits. Ah là, j'ai pas exploré encore. Ah. Ah, par là-bas, il y a un passage. Nager rapidement, c'est avec A. Ouais, parce que là, je sais pas où est-ce que je vais pouvoir reprendre mon souffle.
On remonte, on remonte. Non, ça va, j'ai de la marge. Bon, bah on replonge. Hein. C'est quoi ce qui brille? C'est de l'or? L'essence de sorceleur me montre rien du tout. Ouais, bah visiblement c'est par là qu'il faut avancer. Allez, plus vite. Ok. Je devrais me préparer à l'affrontement. Concocter de l'huile contre les spectres. Et boire quelques potions. Ouais. Ça, je veux bien, mais... Comment faire? Là, j'ai rien pour me préparer, ici. Rien du tout. Là, je suis à 80 pas. Bah écoutez, je vais chercher alentour, voir si je peux me faire quelques potions, hein, me préparer pour éviter de fail encore du premier coup. Et puis, je vous dis bah à tout de suite. Eh bien, on se reprend maintenant. Là, je suis actuellement en train de me préparer pour essayer de trouver des ingrédients pour les potions, notamment pour faire une huile contre les spectres. Je vous avoue, c'est pas encore un grand succès. J'ai néanmoins découvert de l'herbe de néprin, qui est dans la rivière ici. Ça serait utile pour la quête suivante, pour le griffon. Mais pour ça, il faudrait que j'atteigne le niveau 2. Donc, on va déjà faire le contrat du démon, enfin, du spectre de midi, en l'occurrence. Et puis, bah, je voulais vous montrer cet endroit-là, qui est au nord du village de Blanchefleur. C'est un peu spécial, il y a pas mal de stuff à récupérer. Là, j'ai trouvé un trésor, mais qui est verrouillé. Je sais pas si dans le coin, je vais trouver une clé. En tout cas, le ciel est devenu extrêmement sombre. C'est un petit peu chelou comme ambiance, et je me demande s'il va pas se passer quelque chose. Donc, j'en profite pour vous reprendre à ce moment-là. Bon, bah on continue à farmer ces pétales de myrte qui me servent à pas grand chose pour l'instant. Alors, on va appeler Ablette. Bah, juste là, nickel. Sur la carte. Merde. Ah oh là là. C'est l'autre bouton. Voilà. Ici, il y a un autre lieu. Donc, c'est sur ma droite, là, à l'ouest. Du nerf, Ablette. Allez. Il y a des chevaux en liberté. Là, on dirait qu'il y a comme un autre village. Ah, il veut pas sauter par là. Je peux pas. Non, je peux pas le forcer non plus. Bon, bah, on va passer par là. On se calme, tous les canassons, là. Ah, là, il y a des trucs. Des ennemis, c'est quoi? Est-ce que c'est des chiens? Ils sont beaucoup. Oh, c'est des loups, je crois que ça pourrait marcher. Chien sauvage. Allez hop, au ralenti, l'attaque, j'arrête pas de me lourder avec ce type d'attaque. Au ralenti, je fais toujours trop tôt. Allez, voilà. Ah bah voilà, je les ai tous ken. On va prendre un peu de foie de loup. je peux descendre là. Ouais. On va voir si on peut récupérer du suif de chien. Enfin, de la viande. Bon, ça me donnera de la vitalité, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Il n'y a que de la viande là. Oh là là, fait chier la caque. Bon. C'est pas tout, mais moi je voulais pas aller par là. Puis vous remarquerez que ça donne que dalle au niveau expérience. Bon, c'était des niveaux 1. J'en profite quand même pour regarder des fois que je passe à côté de... d'un farm intéressant. Plantain. Ça me dit rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Sens de sorceleur. Je vois rien. Ça a l'air assez abandonné. Ah, il y a un soldat. Est-ce que je peux chercher de la nourriture? Allez voir ailleurs. Ah bon. Allez parler au commandant.
Ok, bon bah je vous laisse tranquille. Il y a des soldats dans le coin. Soldats, soldats. Il n'y a que des soldats ici. Écarte-toi. Ok. Ok. Bon bah écoutez, je vais continuer à prospecter dans le coin. Et puis je vous reprends dès qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et puis évidemment, si je peux avancer dans la quête, là je vais continuer à farmer dans les environs. Et puis essayer de me préparer au mieux pour se faire ce spectre de midi. A tout de suite. Eh bien, on se reprend un petit peu plus loin, juste à côté du moulin au nord, où là on est visiblement dans un cimetière. J'ai réussi à comprendre d'ailleurs au passage, il y avait une ruche de miel un petit peu plus haut, avec le signe magique Igni. En cramant le tout, on crame les abeilles, le miel, et puis on peut le récolter. Voilà, soit dit en passant. Et là, c'est la merde. Il y a un spectre. Alors, comment on fait déjà? Ouh! Ah! La grosse merde. Je vais essayer de lui balancer un coup de feu. Ah, ça marche un peu. Ah, c'était. Il faut que je voie dans le bestiaire contre quoi il est. Ouf, c'est bon. Contre quoi il est sensible. Ah, je vais peut-être réussir à me le faire. Il est passé où? Il est parti? C'était donc un site de pouvoir, ils m'ont dit, en arrivant là, maintenir, interagir. Bon, visiblement, ça suffit pour le faire. Oh, un point de compétence. Tranquille. Est-ce qu'on peut rentrer là? Oh, ça vibre. Voilà, à la bourrine. Là, c'est pour faire la lumière, on s'en fout. Loupé. Merde, cette caméra, elle fait chier. Voilà. Oh, méchant. Ouh, je suis quasiment mort. On va bouffer du miel, du poulet rôti. Bon, cool. Il n'y a rien qui a droppé là. On va peut-être allumer. Je crois qu'il faut juste que j'appuie en fait, je suis con. Voilà, je me fais chier pour rien comme d'habitude. Rien du tout là sur cette tombe. Des champis. Cortinaire, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? D'ailleurs, il faudrait que je vois ce que j'ai dans mon inventaire. J'ai chopé pas mal de trucs magiques. On va en profiter pour. Oh mince, j'ai même pas vu ce que j'ai chopé. Les plans d'argent de l'école de la vipère. Nouveau schéma d'artisanat. Nouvelle quête. Bon, bah cool. D'entrée de l'eau, des gantelets. Excellent. Il y avait des trucs par là. Est-ce que j'ai loupé autre chose? Ouais. Ah. Là, il y a encore épée de Dornal. Ok. Alors là, c'est pour enflammer. Tant pis, je vois assez clair. Ah, il y a encore des choses là. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, un peu de champi, la veste de loup. Ah, bon, il n'y a rien d'autre. Juste des champis. Non, vraiment rien du tout. Non, ça je peux pas récolter. C'est quoi ces petits sur la map là? Ah, c'est peut-être au-dessus en surface. Là, je vois qu'il y a des petites icônes rouges qui sont apparues. Mon médaillon vibre. Ça doit être un site Voilà, d'énergie. un site d'énergie. Ça veut dire c'est là où on récupère des points de compétence. Très très bien. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Rien du tout.
Bah écoute, on va juste voir parce que ça, j'avais fait aussi hors enregistrement. Comment on fait déjà? C'est. Voilà, le personnage. Méditation bestiaire. Artisanat. Alchimie. Ah, tiens, il y a quelque chose qui est devenu vert. Je peux construire du samoum. Une bombe. Bon, très bien. Inventaire. Ok, ça, on va voir tout de suite. Les quêtes. Ah, voilà. Donc, là, j'ai un point de compétence disponible. Pour l'instant, j'ai pour le combat, pour les signes, pour l'alchimie. Tiens, d'ailleurs, accoutumance, décoction augmente 20% le seuil de surdose. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on prend des potions, on s'empoisonne, d'après ce que j'ai compris. Création de bombe. Bon, ça, c'est pour. Non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Alchimie, points disponibles, ça c'est des techniques. Et puis des mutagènes, j'ai rien du tout. Peut-être pour le combat encore, ou pas. J'hésite un petit peu. Savez quoi? Peut-être je vais me garder. Ça c'est quoi? Augmente de 1 mètre la portée du signe d'Ard, regain de vigueur en combat, l'armure des ennemis blessés par ignée est réduite de manière permanente. Oh, c'est cool ça! Je pourrais essayer de faire des combos et Igni. Glyphe persistant augmente la durée des signes de 5 secondes. Ouais, ça peut être sympa. Bouclier explosif. Ok, donc dès que mon armure personnelle explose. Et puis alors, persuasion. Ok, c'est pour faire un super Obi-Wan Kenobi. Je vais me garder ce point pour l'instant. On va juste voir l'inventaire. J'ai chopé pas mal de trucs. Et puis je crois que j'ai juste les armes de base. Donc une épée longue de Novigrad, objet magique. Dégâts plus 8, dégâts plus 6. 20, alors ça c'est de 29 à 35 et ça de 27 à 33. Objet rare et objet magique. Donc là déjà, et c'est à 29-35, niveau requis 1. Niveau requis 1. Voilà. Bon, bah je me suis équipé. Les gantelets. Je crois que bah, ils sont meilleurs vu que c'est la base. Boum boum boum. 3 en armure, 3 en armure. On va prendre ceci. 2 en armure, c'est bon. Kit de réparation d'armure amateur. Ça, c'est une armure pantalon de chasse. On va prendre. Voilà, c'est déjà un peu meilleur. Ici. Ah oui, c'est vrai que les consommables, je m'en suis même pas encore occupé, j'ai aucune bombe. Accélère le regain de vigueur. Potion magique. Ok. Nourriture régénère la vitalité. Ah oui, ça c'est quoi? Une torche? Je peux la mettre dans les poches, j'ai une faible source de lumière. Bon. Pourquoi pas? Ici, c'est toute l'alchimie, l'artisanat. Ça, c'est les objets de quête. Ok. Bon, un petit peu mieux stuffé. Bah, écoutez, je vais vous reprendre la prochaine fois dès que je suis prêt pour me faire le démon de midi. Parce que là, ça commence à bien faire. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous y revoici. Cette fois, fini de déconner. On va se le faire, ce démon spec de midi. Alors, j'ai pas les protections, j'ai rien. On se la tente. Tiens, d'ailleurs, vitriocybe. Bon. Donc, il faut qu'on le trouve, le petit coquin. Allumer du feu pour détruire les os et le bracelet du spectre de midi. Ok. Puis, vous voulez que je fasse ça où? Ah, voilà, ici, brûler le corps. Et le bracelet. Igni. Ah, ça va chier. Je crois que ça a fonctionné. Alors, je voulais pas faire ça. Il faut que je prenne Igni, à mon avis. Alors, Igni, Igni. Alors, ça continue. Ça lui a rien fait.
Donc c'était déjà lequel l'autre? Influence esprit, bouclier de protection. Je veux lancer mon bouclier, ça ne marche pas. Je ne lui fais absolument rien. Voilà, piège magique, c'était ça que je cherchais. Là, je vais me mettre dedans. Oula, putain! Je suis complètement aveuglé. Ça l'a buté? Non, ça l'a pas buté. Ah, c'est pas des hologrammes, ça? Puis si je reste là-dedans. Ah, je m'en prends quand même plein la gueule. Il faut que je reste dedans. Je vais bouffer des pommes. Reste dedans. Non, voilà. Oui, voilà. J'ai fait un peu n'importe comment. Ah, mutagène de spectre de midi. Donc ça, il faudrait que je voie un petit peu ces mutagènes encore, comment ça s'utilise, essence de spectre. Trophée du spectre de midi. Eh ben, on prend tout. Alors ça, c'est fait pour le spectre. C'était un peu moins fail. Je pense qu'en se préparant mieux, ça aurait été plus facile. 50 misérables points d'expérience. Je suis à 180 sur 1000 pour le niveau 3. C'est pas gagné, les gars. Bah écoutez, ce que je vous propose, je vais encore prospecter un petit peu, voir si j'arrive à monter de niveau. Et puis dès qu'on est proche d'arriver au Griffon, eh ben je vous refais signe, comme d'hab. Allez, à tout de suite, ciao! Eh bien, on se reprend juste là maintenant parce que moi, je partais comme un voleur pour aller choper du Griffon. Et je me rends compte que on n'est même pas allé chercher la récompense auprès d'Odolan. Terminé. Le puits était hanté par le fantôme d'une femme assassinée. Je l'ai chassée. J'espère que tous ces gaillards qui sont morts sur le champ de bataille vont pas revenir nous hanter eux aussi. Si c'est le cas, vous savez qui contacter. Dites-moi, Claire et Volker, ça vous dit quelque chose? Connais pas. Cela dit, j'ai entendu Tomira, notre herboriste, parler d'une certaine Claire une fois. C'est peut-être elle? Voici votre récompense, sorceleur. J'avais mis cet or de côté pour la dot de Mandy, mais elle serait morte sans vous alors. Au moins maintenant. Elle pourra se marier. Et pour moi, les pépettes. Ah. Ah, j'ai envie de faire le mec cool, hein. C'est plus fort que moi dans tous ces jeux. J'arrive pas à faire le rat. Allez. Gardez votre or. Il sera plus utile à Mandy qu'à moi. Le jour de son mariage, buvez un verre à ma santé. Oh. Oh, merci, sorceleur. Mille merci. Vous avez bon cœur. Mais je ne peux pas vous laisser repartir les mains vides. Prenez ça. Ça vous portera bonheur. Putain, 50 XP, mais c'est misérable. Ah, 230. Et nouvel objet reçu de l'améthyste. À quoi ça sert? Ça, ouais, bon, un composant artisanal, j'en ai encore aucune idée. Je commence à avoir pas mal de trucs. Mais au niveau de ce que je peux faire. Jusqu'à maintenant, il y a du Samoum. Ça aveugle les adversaires situés dans le rayon de son explosion, détruit les nids de monstres. Ok, ça, je pourrais en faire un. Autrement, c'est à peu près tout. Je sais pas où on trouve. Je pense qu'on doit looter, j'imagine, les parchemins qui nous expliquent comment faire d'autres potions. En tout cas, là, j'ai pas de quoi faire grand-chose. Ok, alors, ça, ce contrat, il est fait. Ah, je suis juste un petit peu emmerdouillé maintenant parce que du coup. Ah, niveau 3 conseiller, il est passé en vert. Bon, on va se la tenter, hein. Vous savez quoi? Et puis si je me fais manger la tête, bah ma foi j'irai XP un peu plus jusqu'au niveau 3. On se retrouve dès qu'on est au niveau des traces laissées par les Nilfgaardiens. Là, c'est suivre la piste des soldats Nilfgaardiens à l'aide de vos sens de sorceleur. Et ben on va aller suivre la quête maintenant. À tout de suite. Et ben on se retrouve pour la suite de la traque au Griffon. Je devais suivre donc les traces de sang d'un groupe de soldats Nilfgaardiens qui a été massacré visiblement par ce Griffon.
Donc, ici. Ouais, ça remonte par là. Et là, il me semble que je vais. Oui, ça va dans ce sens. Ok. Bon, on dirait qu'il y a des clébards qui traînent dans le coin. Ouais, ça va ici. Et ensuite. Comme ça. Ça continue là. Y a rien à examiner par là? Ouais, mais là je suis en dehors, j'étais déjà passé par là. Il faut que j'aille là-bas en face. Oups. Ouais, c'est bon. Ensuite, par là. Ouais, c'est bien ici. Ok. Puis là, est-ce que j'arrive à voir quelque chose de particulier? On dirait que ça repart dans ce sens, c'est bizarre. Y a des loups dans le coin. Ah, il me semble que ça s'arrête ici, hein. À l'aide de... Ouais, j'ai suivi la piste. Qu'il faut aller en bas? Je peux pas ouvrir. Non. Rien trouvé. Rien du tout, rien du tout, rien du tout. Ah, ah bah voilà. Il suffisait de chercher un peu, fallait monter par là. C'est quoi ça là-bas au fond? Ok. Ouais, faut grimper encore par là. Je peux passer là. Là, il y a encore des traces ici. Hein? C'est pas très rassurant ces bruits. Oups, tombé. C'est quoi ça? Aconite. Tiens, objet ordinaire, je connaissais pas encore. Bon, il faut que je retourne dans le cercle jaune. Ouais, ça continue bien par là. Je pense qu'il faut monter. Ça paraît logique. Oups, je me suis viandé. Ouais, je peux monter là. Ah, il y a encore des traces en face. Va falloir sauter. On va essayer de pas se manger. Limite. Ah oui, alors là, normalement, si je grille ça, c'est du miel. Je peux y choper. Voilà, ça tombe et je peux le ramasser. Des rayons de miel, je prends tout. Le nid du griffon, ou ce qu'il en reste. Ah. Ce cadavre a une quinzaine de jours. Il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici. Il est mort à petit feu. Ok. Et ça, c'est le griffon, quoi. Il est déjà crevé. Femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. L'autre griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps, et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Elle ne s'est pas défendue. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. Il vous fait pas penser un peu à Horatio, là, des experts? Regarde, j'ai trouvé un poil de cul. Ça s'est passé comme ça. Après Il est vraiment l'usure du trop bec et fort. des poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Les griffons s'accouplent pour la vie. Le mâle doit avoir à peu près le même âge. Ok. Bon, la Poil race, pourquoi fine, pas? pointe dense. C'est un griffon royal. Bah, si c'est du griffon royal, Pourquoi hein. le mâle était aussi agressif? Il a commencé par chasser les nilfs gardiens dans la forêt, avant de s'attaquer au reste de la région. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. Bon, alors on va aller causer à Vesemir. Est-ce que on a de quoi voyager rapidement dans le coin? Ouais, il faut que j'aille jusque là-bas. Alors, un point de passage. On appelle le canasson.
Voilà, je commence un tout petit peu mieux à comprendre comment ça se passe. Écoutez, je sais pas si on va aller jusqu'au griffon, parce que là, l'épisode commence à durer une bonne grosse demi-heure. Écoutez, on va aller voir Vesemir, et puis on va voir ce qu'il nous raconte. Là, maintenant que j'ai aussi compris comment on utilisait les points de passage rapide, c'est vraiment très con, hein. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas me comprendre dès le début. Alors... voilà, on arrive ici, on va sur l'écriteau, voyage rapide, on va dézoomer, non c'est pas le village abandonné, c'est ici. Et puis voilà, un petit temps de chargement et on y est. Allons parler à notre vieil ami, qui était en fait le doyen des sorceleurs. Ah, mince, il est là. Je crois qu'il est même devant l'auberge où je l'avais laissé. Voilà. Oui. Qui a-t-il, loup blanc? Ouais, bah j'ai accepté le contrat pour le griffon. Une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? Ouais, alors le néprin, en fait, j'ai trouvé par moi-même, par hasard, c'est pour ça qu'il était plus disponible dans la quête. J'ai trouvé le néprin. L'odeur est assez puissante, ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui? Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse, tout ça ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans un tas d'ordures à Tretogor. Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur. Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Ouais, allez, on va encore faire ça. J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois Vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Ils pensaient avoir réglé le problème. C'est toujours la même chose. Au lieu de faire appel à des professionnels, ils ne font qu'empirer les choses. Camille la pète. On peut commencer quand tu veux. Ok. Alors on va aller installer ce piège. Je suis prêt. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Personne ne viendra nous déranger. Parfait. On se retrouve là-bas. Bon, bah écoutez, comme on a bien dépassé la demi-heure, on va arrêter l'épisode ici, et puis pour le prochain, bah, on va s'enchaîner le griffon, et la suite, voir où est parti Yennefer. Alors, je pense que je vais faire des formats un petit peu montés, comme ça, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des suggestions, bah, n'hésitez pas à les faire. Un petit j'aime ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter si vous voulez être tenu au courant de manière un tout petit peu plus réactive. Et quant à moi, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée ou nuit. C'était DRK36 sur Witcher 3 Wild Hunt. À très bientôt, ciao !